Salut tout le monde, c'est Firecox, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 14 de Universe of Tarbound. L'épisode 14 et c'est un peu l'épisode, on va dire, pas final, mais final en termes de upgrade du personnage, on va dire, enfin, de farming, tout ça, enfin, voilà, vous m'avez compris, hein, depuis le temps que je le répète, que les trois derniers épisodes c'était que de ça, hein, on y arrivait, on est au dernier, enfin, au dernier épisode concernant les levels, c'est-à-dire qu'on va passer le level 9 et 8, le level 9 et 10 plutôt, pas 8, on l'a déjà. Alors, j'ai fermé encore en off pour préparer cet épisode, non, les minerais, alors, déjà les minerais pour les armures 7 et 8, c'est-à-dire, bon ça c'est la version 7, avec le volume ça sera 8, mais je vais en faire plus, c'est pour ça. Et vous pouvez voir aussi que j'ai fait des coppers, des silver, de l'or et du platinum, je pense que vous avez compris. C'est pour faire aussi les armures, enfin normales, qu'on avait de base, en quelque sorte, de base. À savoir qu'il n'y a pas le fer, le fer c'était concernant la toute première armure, enfin level 1. C'est pour ça que j'ai gros fail, j'en avais refait, mais en fait j'y pensais juste après quand j'ai fait cuire, je fais ah merde. Ça servait à rien, mais bon c'est pas grave, c'est fait, c'est pas grave. Bon, ce que je vais faire, j'ai déjà fait tout ce qui est copper, on va faire d'abord le casque, ah ça va y mettre en gros, c'est pas grave. Hop, et le torse, enfin le pantalon. Après c'était la silver, casque, hop, sans moi on aura toutes les armures, ça sera fini après. Tac, tac, et... et le platinum. C'est ça que j'ai dit que c'est quand même bizarre, il y a pas l'armure en diams, c'est pas grave, hein. Écoutez, même s'il y a eu le diams, il y a beaucoup plus puissant maintenant, enfin on verrait bien à la fin de l'épisode. Ce que je vais faire, je vais... Ah non mais attendez, j'ai pas fini, il me reste à faire... Non, c'est pas sur ce table, c'est là-dedans. On va se faire celle en céruleum. Hop. D'ailleurs c'est le level 7. Hop et hop. Et donc normalement il me reste assez. Ah il m'a pas resté assez. Seriously, je suis deg. Je suis très deg. Bon c'est pas grave. Je vais d'abord faire le mélange. Yo. Ah, je pense que c'est dans sur l'anvil. C'est pour ça que je vais vous regarder une enclume. What? Oui. Ah non mais d'accord. J'ai cliqué sur un truc qu'il fallait pour... Hop. Et ouais je me suis fait baiser. Il me manque de lingots. Bah écoutez c'est pas terrible. Ah vous avez pu voir ce que j'ai mis là. La robe de mariée. Ouais en fait j'avais partout sauf ici en esthétique. Je vais autant utiliser la robe de mariée. Je fais princesse. Non, le mec quoi il s'en fout. À la foutre, c'est madame princesse super héros. Pas en cool le truc. Bah attendez, je vais quand même mettre celle en céruleum. Sans moi, je serai un peu plus couvert. Hop, hop, ce que je vais faire, je vais aussi ranger. Attendez, je vais mettre en haut ça. What? Mais il est où le torse? Ah d'accord, ça me les a classés peut-être... Ouais, pourquoi pas. Dat bug. C'est pas grave. Tac. Et le pantalon, il est là. Après, c'est le silver. Le silver platinum, plastron. Silver. Or. Or. Et tac, tac, tac. Voilà, bon, j'y rangerai moi en off. De toute façon, les armes. Alors, juste pour petite info, on va... Pas tout de suite ouais, j'ai la bio aussi basse là. Question attends je m'étais laissé avec la vie pleine. Ouais petit bug pourquoi j'ai pas. Ah mais ça a dû coûter de l'argent faire les armures non. C'était pour ça. Ah oui ça a coûté de l'argent. Bah, j'aurais vraiment de la chance, hein, tout pile hein.
il me restait largement assez pour... Ah bah oui, c'est normal que j'ai perdu de la vie, c'est normal, vu que j'ai mis une nouvelle armure, ça m'a... Je suis plus puissant avec... Bon, alors, on va pas s'attarder, on s'en fout. Alors, juste avant, j'avais dit qu'on ferait aussi la... Si j'en trouve au passage, de toute façon, du cérulium, je prendrais. Celui-là, normalement, on est sur une planète, level 7. Ouais, il n'y a pas de soucis. Enfin, je crois. Attendez. Il me semble, hein. Je suis pas sûr. Mais... Alors, ceux qui veulent savoir, ici, je suis pas sur la planète Tundra, où j'avais trouvé tous les pouvoirs. On y reviendra pour faire la prison juste après, la prison Florane. Vu que là, j'étais pas OP, là où on sera OP après avec la nouvelle armure. Et la arme. Là, juste dans cette planète, parce que je voulais vous montrer ce lieu depuis un moment, enfin, ouais, depuis quelques épisodes, on va dire. Sauf que si je crois que vous en souvenez, le lieu était un peu sur une lune. Et sauf que je craignais le froid, enfin, je craignais, ouais, j'avais froid à cause de la température de la lune. Et c'était pas, j'avais pas pu continuer, il fallait tout le temps poser un feu de camp et j'avais trop la flemme. J'aurais pu, mais bon, voilà, on s'en foutait un peu, ça a été un gameplay, il aurait été un... Putain, d'accord, laissez-moi tranquille. J'ai quand même une armure level 7, ils me font quand même pas mal, hein, putain. C'est dommage, il me manquait très peu de cérulium, bon c'est pas grave. On est déjà arrivé, voilà, c'est ce fameux village, enfin le dernier village que je vous ai pas montré encore. C'est-à-dire un village glitch de la race des robots. On va fouiller un peu ça. Ah oui, attendez, je vais juste enlever ça. Sinon ils vont gueuler. Ah, parce que normalement le bouquin je l'ai pas. Ah si, je l'ai déjà. Bon bah c'est pas grave. Je vais le trouver ailleurs, je pense. Bon, qu'est-ce que tu dis toi? T'es un marchand? Putain, je suis encore avec... Salut. Oh, les glitch je les aime bien. Moi. Ils sont assez gentils. Non, tu vois rien toi. Savoir qu'il y a aussi un marchand hein, comme dans chaque village ou chaque ville. Qu'est-ce qu'il y a au fond déjà? Il y a une torche. Ah oui, ça fait un puits. Sympa. Ah, du cérulium. Donne-moi ça. Parfait. Il y en a juste assez pour que je finisse l'armure. Tant mieux, comme ça je finirai l'armure juste après. Et de toute façon je ferai la petite ellipse le temps que je retourne sur la planète Tundra pour jusqu'à la prison Florane. Ne vous inquiétez pas. Juste avant on finit de visiter le village. Ouais, 10, parfait. Largement assez même. C'est nickel tout ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Des minerais, des sous, je crois pas. Ah, je voulais pas casser, c'est pas grave. Bon attendez, je vais poser ça. Rien à foutre. Pourquoi j'ai ces blocs? Dégage la paille. Hop. Ah non. Ah ouais, bah j'ai dû les trouver ailleurs, c'est libre, je sais plus. À moins... Ah si, je m'en souviens. Je les ai trouvés quoi. Vous savez, les sortes de démons... Enfin, pas démons, sortes de races avec qui avait des ailes un peu violettes. Pas comme un... Ouais, comme des démons, on va dire. Il me semble que c'était là-dedans, j'avais trouvé des trucs, il me semble. Ah truc, j'ai tout, moi j'ai tout planté. Est-ce que j'ai du riz? Pas de riz je crois, il me semble. Wow. Smart. On a acheté 50. Le mec, je dis ouais, c'est chouette, c'est l'ingrédient, un des ingrédients que j'ai pas encore dans mon truc de ferme, enfin agriculture il me semble. Non, tu vois rien toi. Et là haut il y a quoi? Là, y a encore des... Putain. Voilà. Une bibliothèque, on sent tout. C'est top, je veux dire. Passe-moi ça. Un poulet. Jamais essayé pour voir si ce qui vous loot. Lol, t'as un mob qui a réussi à rentrer dedans. Là aussi, ils vendent des trucs. Qu'est-ce qu'on a pas? On a tout. Il y a juste ça que j'ai pas encore. En seed. J'ai trouvé des seeds de kiwi, enfin j'avais dû les loot quelque part, mais je savais plus où. Je les ai plantés de toute façon. Voilà, je voulais vous montrer. Ah oui, ça j'aime bien ça. Ça j'aime bien. Les marchands d'habits, sauf qu'il n'a pas un habit spécial, non.
Snap shirt. S'acheter la l'armure noble. Ah non, dommage, ils vendent pas de blueprint. Faudrait que je fasse un épisode aussi là-dessus. Tout le temps je dis que je devais faire des trucs. Tellement de trucs à faire, de toute façon. On n'a pas fini. De toute façon, dans le prochain épisode, ça sera, comme je l'avais déjà annoncé depuis longtemps, ça sera la maison. Maison, mais je pense peut-être en deux parties même. Je suis pas encore trop réfléchi à un design depuis le temps. J'avais dit j'aurais le temps de 3 semaines, mais en fait j'ai rien foutu en fait. J'étais en train de plus fermer les... Oui, il est badass lui, avec son... je crois que c'est un peu le capitaine, on va dire, des cards. Vu comme il est doré et l'épée qu'il a. Encore un marchand. Ah bah là c'est bien, ou chercher de la bouffe, bah aller dans ce... Et dans ce village, il y a au moins il y a 3 marchands de bouffe, hein, si ce n'est plus. On n'a pas encore fini de visiter tout. Et un marchand d'habits qui est assez sympa. Bon, je prends pas d'habits, je m'en fous un peu, mais... C'est juste pour la déco, ça c'est pas... Hop. Tac. Non, je vais péter avec ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai récupéré là? Le bois, je vais garder le bois. Hop, vous voyez, décoration aussi, c'est très très sympa. J'aime bien le style. La roche, on s'en fout. Est-ce que j'ai pris le coffre là-haut? Ouais, je l'ai pris. C'est pas, il y a encore un coffre. Est-ce que c'est un coffre normal? Ou pas normal, on va dire. Voilà, ça, je suis sûr que c'est pas de péter l'escalier. Ah, moi j'aime bien pas tout péter. Ah oui, puis j'ai trouvé des cides des raisins, je me rappelle, sur cette planète. Pas mal. Il y a encore un marchand ici, mais c'est abusé. C'est abusé. Non, il n'y a rien dans le four. Ouh. Eh ben, c'est un très bon village. Ça, je peux vous le dire. Bon, les armes, ouf. Ah, attendez. Parfait, j'ai eu le site de Kernkorn. Ben voilà. Et je verrai si le riz se plante, mais je pense pas. Dans ce cas-là, il me manque plus que le riz. Enfin, peut-être pas que le riz, mais... Ah, une épée légendaire. Ça tombe bien, ça. Ça tombe très bien. Attendez, je vais virer ça. Hop. Ouh là là, on s'est fait nuit. Il y a quoi là-dedans? Oh, 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 oh. Tu commences pas, toi. Tu commences pas, le chien. Senti tout à l'heure. Va pas me faire chier. Tu me fais chier tout à l'heure sans métro, alors c'est bon. J'étais en train de leur faire peur en fait. Qu'est-ce que tu... Ouh, c'est toi qui vends les armes. Badass. Tu fais choix. J'aime trop le nom quoi. Ouais, après... Des armes classiques on va dire. Ah bah voyez, hop. Si vous cherchez des trucs robots. Voilà. Vous êtes servi. Toi tu vas rien. Là je suis un peu... à la caserne on va dire, des gardes. Ouais. Je pense que... Oh, le poulailler, stylé. On est obligé de passer par dessus. Ah, j'ai cassé un truc. C'est pas grave. C'est pas grave. Ah, mais c'est que le village, j'ai pas fini. Oh. Salut, qu'est-ce que tu vends? Tu vends rien toi? Si, normalement t'es pas un vendeur toi. Toi dégage. Hop, toi je te prends. Merci. Ah, c'est qu'il est quand même grand ce village. Les tuyaux ne sont pas si grands que ça. Je suis étonné là. Tant mieux hein, côté. Regardez, il y a un yard spin. Non, spinning well, putain. J'inverse tout le temps le nom, je sais pas pourquoi. Ça l'habitude on va dire. Des chiottes. Sympa. Voilà. Ah mais attendez, mais c'est immense hein. Une arme. Une arme de merde. On tape. Le coffre. Non. Mais non, mais je vais pas vous attaquer, vous inquiétez pas. Je suis gentil. Je suis gentil avec tout le monde, moi, de toute façon. Ah. Ah putain, mais t'es sérieux? Pourquoi ça a remis son... Si tu veux un truc, toi? Non. Ouh, je crois que j'ai trouvé... Date maison, quoi. Date maison.
Alors là, ah oui, il faut là, je vous montre l'épée légendaire après. Ah, je l'avais pas ce bouquin. Oh! Tout que j'ai pas ça. Ouais, un blueprint que j'avais pas, tant mieux. Non, je l'ai déjà. Est-ce que je l'ai déjà? Ah, non, je l'avais pas. Ah, je m'embrouille dans les menus. Est-ce que ça peut s'apprendre? Collect Arena, ouais bah de toute façon en plus il est croisé, je sais même pas si on peut le... Oh! Non non non, tu commences pas à faire chier hein. Non mais oh mais... Ça va... Tu vas t'arrêter 2 secondes là. Enfin il me saoule hein, putain. C'est chiant. Très chiant. Bon, ça c'est toute la bouffe qu'on a déjà. On peut y jeter. Hop. Un bouquin, je crois qu'on a déjà. On avait déjà en plus le 10, juste l'autre à l'avant. Encore de la bouffe. Ouais. Bon, vous n'avez rien vous, non. Masse de bibliothèque là. Vous voulez des livres, tout ça, enfin prendre des trucs. C'est ici qu'il faut me lire. Je fais quand même tout le temps regarder, même si j'ai pris le 1 tout à l'heure, je préfère quand même regarder. Parce qu'on sait jamais, parce que si on arrive à looter autre chose, on n'a pas. Attends, tout, je l'ai fait tout à l'heure. Je préfère prendre les précautions. Bibliothèque. Bibliothèque. Enfant de Dieu, mais c'est la foire ici. Ah, mais immense ce village, il est immense. Très sympa, même. Très très sympa. Comme ça, on avait déjà ça. Non, y a rien. Je pense... Oui, c'est enfin fini. Enfin, je crois. Oui, c'est fini. YOLO. Bon! Voilà, parfait. Je vais remonter, ça fait déjà un petit moment déjà. Hop, je vais faire vite cuire. Il est où le cérolium? Là, putain, j'ai eu peur, je le voyais plus. Hop. Et puis je vais tester. Je vais tester ça. Hop, je vais vous montrer un peu. Alors c'est une arme spéciale, je sais pas, ça peut faire penser à... Vous savez les jeux qu'il y avait sur Game Boy, on va dire. Jeu en 2D comme style à la Zelda, surtout celle-ci. Ça fait vraiment penser ouais, les styles de combat à l'ancienne qu'on faisait sur les anciennes Game Boy, enfin les anciennes consoles. Enfin, ça me fait penser à ça. C'est très très sympa. Elle est assez classique, enfin très elle fait très nostalgique on va dire. C'est vraiment pas mal. Celle-ci ils l'ont bien pensé, ça marche très bien on va dire. Et voilà, on va finir par... Oh, de toute façon, je vais faire une ellipse, alors ça tombe bien. Ça, je te sortirai, tu me feras plus chier après. Mais à chaque fois, mais... Alors, la semaine dernière, il m'a pas fait chier, mais là, il m'a fait chier cette semaine. Voilà. Parfait, j'ai enfin l'armure, tout ça. Je suis enfin... Bah ouais, on est level 8 maintenant, externement. Bon, bah moi, je vais faire une petite ellipse, le... Tant que je le sorte et que je retourne sur la planète Tundra, que je range mon inventaire. Et on se retrouve directement à la prison Floran. A tout de suite. Voilà, j'ai fait la petite ellipse. J'ai rangé l'inventaire, hein, j'ai gardé juste... Ah oui, j'ai oublié de mettre les cartes froides, pardon. Je vais jeter tout ça en attendant. Je suis revenu, ben... à la planète Tundra qu'on avait fait dans l'ancien épisode où je m'étais fail hein, 3 morts. C'était n'importe quoi. Aïe aïe aïe. Puis bah maintenant vu que j'étais en même temps j'étais pas stuff hein, j'avais que l'armure level 6, c'est pour ça j'avais quand même l'arme, mais bon en fait si on n'a pas l'armure ça fait l'arme fait pas tout en fait, c'est pour ça. Mais bon, oh, on est de retour, on a une armure level 8 alors qu'on est sur une planète level 7. Alors maintenant je pense que ça devrait peut-être plutôt passer, hein. Ça devrait passer pas mal maintenant. J'espère en tout cas. Bon, en tout cas ici de ce côté c'était tout fait vu que je m'étais en... Ah il y a encore les pixels, lol. Restez encore les pixels. Je pensais que ça allait despawn. Bah non. Pensais-tu? What the fuck? Bon bah je pensais que ça allait despawn depuis le temps mais non. Bon bah c'est pas grave, nous on va continuer de toute façon.
On va finir, enfin finir ce lieu là, ça commence à être n'importe quoi. Bon, je vais passer par où quand même, je crois. Tiens, il m'a pas vu. On va tester l'armure, l'arme légendaire. L'armure légendaire. Ouais, je fais pas trop de dégâts encore. Vous voyez, hein, j'ai beaucoup moins... Je me fais beaucoup moins faire mal, hein. Putain, ça se voit. La dernière fois, il me faisait très 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 mal. Là, ça va, hein. Ça a bien changé. YOLO! Ah, c'est con, tu peux pas... Hein. Moi, je peux vous tirer de loin. Comment tu es? Ah bon, j'ai pas assez de mana. Ok. Ouais, il faut la couronne. Quoi ça ressemble là, l'armure. Avec la couronne là qui fait plus de mana. Là, ça se voit la différence. Merci, vous êtes mort. Je veux juste voir à quoi on ressemble sans... Putain, de Dieu. Ah quand même. C'est vraiment space, hein. Cache. Hop. Oh, il nous alloute une petite. Ah, puis on a une épée spéciale. Une lance. Bien sympa. Je garderai pas, mais pour l'instant je la garde. Enfin, c'est pas que ça a aucune valeur, mais c'est juste... pas puissant, sérieux. D'accord, là il n'a rien. Ah, puis aussi, particularité, mais ça... Il verra vers les dans les derniers épisodes, de toute façon dès que j'aurai fini la maison en deux parties, je pense, je ferai deux parties pour la maison. J'ai ma petite idée pour comment finir la série. Vous voyez ces blocs là, en centre de feuilles, c'est assez rare d'en trouver, on en trouve que dans une prison comme ça, mais vraiment très peu, vous voyez c'est entre deux colonnes. Et on en trouve aussi également quand il y a la maison champignon, qui est pas une possession. Ou sinon. Sinon on trouve, c'était où? Ah oui, dans un village floral, mais encore c'est très rare, c'est pas tout le temps. Enfin, dans notre race, on va dire. Alors c'est pour ça que c'est pas... C'est pas très évident d'en trouver, mais sauf qu'il existe un biome souterrain où on en trouve masse. Mais à folie en fait. Hein. Et j'ai réussi à trouver une planète où il y avait ce biome souterrain, alors que c'est très très... très très rare, enfin pas rare, mais c'est très très dur aussi à trouver ce biome souterrain déjà, alors j'ai vraiment de la chance de le trouver déjà. Je pensais pas le trouver un jour, c'était pour Zone Peace, je me rappelle. Il voulait des blagues comme ça, bah écoute, on va le trouver ce putain de biome. J'ai mis du temps, mais bon, je l'ai enfin trouvé. C'est sûr que là où vous faites plaisir, hein, il y en a un peu de partout. Putain, tas de bruit quoi. C'était n'importe. Ah là, petite prison. Tac. Alors faut tuer aussi ceux qui sont à l'intérieur de toute façon. Mais... Ils vous attaquent sinon. Ils vous attaquent. Ah, c'est con, hein, tu m'en rates pas. Je vais juste finir. Hop. Tuer tout le monde. Ouais, c'est ce qui me semblait. Il va encore quelqu'un. Dégage. Quelqu'un aussi là. Boom! Ah là on rigole moins là, hein, quand c'est moi qui gère. Ah, ça la ramène moins là. Ah, franchement je trouve vraiment stylé aussi la prison flamme. Vraiment... Ça a son charme. Encore des pixels. Oh non, on peut pas les ouvrir, hein, les cellules, faut les ouvrir. Avec ça. Salut! Oui, ils nous attaquent, hein. Ça se voit que c'est des prisonniers, sinon ils seraient pas en tôle. Quoi alors, les gardes nous attaquent, hein? What the fuck? Je suis de votre race là, hein? Dégage. Flèche. Ah non, d'accord, c'est des cannibales. Il y a 10 flèches, ça devient cher. Il va nous bouffer! Viens ici. Parfait. Oh Dieu, il y a une petite latence là. Je vois pas, ça l'a pas fait tout de suite. Bon voilà, parfait. Ce côté est fait. On va aller à l'autre côté maintenant.
Moi je prends mon temps. C'est le dernier épisode, on va dire un peu spécial. Je prends mon temps. De toute façon, je vous montrerai le minerai après sur la planète, planète level 9 ou 10, je verrai sur laquelle je vais aller. De toute façon, on se laissera là après, de toute façon. Ah, attendez. Je voulais faire le petit troll. YOLO! Moi j'attaque tout le monde! Oh! Aucun respect! Aucun respect! Dégage! Dégage! Putain! Il attaque! Viens ici! Putain! Ah! Et allez! LOL le mec! Je sais pas si c'est ouvert l'autre côté, je pense pas. Ah si, c'est ouvert l'autre côté. C'est bien ouvert l'autre côté. Ah, gaffe à ma vie. Allez. Tac. Ça a pas pris la... Ça a pas pris la... Tac. YOLO. Ils vont s'attaquer. Dégage. BOM. Aucun respect, moi. Pour ma race. Ecco. Hop. Putain. YOLO. Toi tu t'as essayé de t'échapper toi. Personne t'a rondé. Hop. Et puis c'est fini. Parfait. On aura vu la prison Florane. Et en fait dans tous les lieux, enfin ces grands qui existent, qu'on n'a pas encore vu, il reste les égouts, il me semble. Enfin on a vu un tout petit lieu d'égout. Vous vous rappelez avec la... le sorte de mob en... J'ai l'impression que c'était une merde le machin. Et sinon aussi, qui est d'origine Apex, c'est-à-dire les singes, reste le labyrinthe. Mais bon, pour l'instant, je sais pas. On n'a pas trouvé d'autres, alors pour l'instant, on verra bien. Bon, je vais refaire encore une petite ellipse. Le temps que j'aille sur la planète, enfin une des deux planètes que j'avais pris... en réserve pour le level 9 ou 10, je sais plus, pour montrer le nouveau minerai, comment on le trouve tout ça, enfin on a comme ça, mais voilà, à voir à quoi il ressemble. Et après je ferai encore une petite ellipse le temps que je ferme tous les minerais, le temps que je, voilà, je ferme assez pour les deux armures et pour faire les deux upgrades, comme ça au moins c'est fini. On parle plus et on pourra finir l'épisode sur ça. Allez, je vous dis à tout de suite. Heureux. Voilà, je suis arrivé à la planète que j'avais déjà trouvé il y a longtemps, enfin avant que je commence cette série. De toute façon, tous les endroits que je vous ai montrés, je les ai à peu près trouvés, à part des planètes du début. Je les ai trouvés pendant la série, mais sinon, j'avais surtout cherché celle du secteur X, c'est-à-dire level 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors c'est pour ça, dans les prochains épisodes, enfin après la maison, j'aurai pas mal de trucs à vous montrer. Je pensais plus que j'avais trouvé autant de trucs, enfin... Ouais, des biomes intéressants ou des, je sais pas, des objets, ouais, voilà, ouais, c'est pas, mais bon, des trucs assez rares on va dire dans l'ensemble, c'est pas mal. Et je vais montrer où je suis en ce moment, ça vous allez coordonner tout ça. Je suis sur cette planète qui est un biome désert, bon bah c'est pas une nouveauté, mais bon. On a à peu près tous les biomes, hein. De toute façon il me semble, j'ai fait les comptes, tout ça. Il me manque juste à vous montrer, bah franchement, le... la planète Lune, enfin Moon on va dire, le biome Moon, qu'on n'a pas pu bien voir, c'est à cause de qu'il faisait froid. Mais sinon, dans les autres planètes, il me semble qu'il manque les champs d'astéroïdes, ça c'est sûr. C'est le seul truc que j'ai pas fait, il faut encore respirer avec de l'air, et puis c'est comme la Lune, il fait froid en fait, donc il n'y a pas d'atmosphère on va dire. Ça on fera ça, vous inquiétez pas. On aura tout vu, hein, vous inquiétez pas. Voilà aussi que je cherche. Voilà, qu'on, je repasse aussi un épisode spécial biome souterrain. Donc ça a changé maintenant. Vu qu'on n'a pas tellement vu, j'ai fait juste un épisode à un moment très spécial de ça, mais depuis le temps, voilà, quoi. On n'a pas tellement fait plus que ça on va dire. Alors, est-ce qu'on va voir l'un des nouveaux le nouveau minerai et puis même autre chose. C'est-à-dire le nouveau carburant, c'est sur la planète level 9. Et après... Oh, dégagez. Oh, c'est moi.
sûr. Aïe, putain. C'est bon, très mal. Nickage. Putain, c'est pas possible ça. Voilà, je t'enferme. Aucune pitié. Bon, on l'a vu. Alors, déjà d'une. Les deux trucs qui nous intéressent, hein. Surtout un. Alors déjà, je vais juste vous montrer le nouveau carburant, c'est-à-dire le plutonium, ouais, c'est ce qui me semblait, qui est en violet. C'est-à-dire, on a le charbon pour l'essence, après on avait l'uranium, après le plutonium, et encore un autre qu'on verra plus tard, sur une planète avec 10, sans une surprise. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce fameux minerai en rouge que vous voyez là, ici. Tatin. Voilà, donne-moi ça. Du rubium. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire les derniers ouais, les derniers upgrades. C'est-à-dire pour le level 9 et pour le level 10. Bon, comme d'hab, de toute façon, c'est un le level 10, c'est un alliage avec du charbon. Ça nous donne de l'hyperbium, je crois. Je sais pas qu'on appelle ça vraiment. Vas-y, je fais péter le sable. De toute façon là je vais arrêter, après je vais faire une petite ellipse, le temps que je ferme tout ça. Je vais juste avant de faire ça, si je me check, il y a des trucs pas mal à avoir sur cette planète. Je vais juste vite fait ça. On va essayer de trouver assez rapidement au pire. Waouh. Ah voilà, c'est ça qui m'intéressait. Non. La paye là. C'était ce machin, je voulais voir Bozan, on le connaît déjà, le lion, on l'avait déjà vu. C'est pas ça qui nous intéresse, nous, c'est autre chose même. Bah écoutez, je vais... Attendez, mais je vais aller dans l'autre sens. Vu que la planète est pas si grande que ça, de toute façon. On tombera assez rapidement dessus, je me rappelle, c'était vers la fin, je vais trouver ça en plus, alors... Autant aller de ce côté. Ça sera plus rapide, putain, il y a tellement de mobs trop merdiques. Tous ceux qui sautent, je les déteste, ceux qui sautent comme ça là, à cette hauteur. Je les hais. Tous. Oh, il y a plein de stations là pour... un coup malchance, un coup de chance. Ah bah, façon, hein. Ah. Non, reste ici. Passe-moi les pixels. Il y a une capsule qui ne sert plus à rien après, tellement qu'on est haut level, de toute façon. Pour peu que ça nous donne déjà à la base, alors... Ah, les voilà. Je les ai amenés aussi loin. Wow. Wow, bah vous devez reconnaître, hein, c'est un château glitch, encore une fois. Ah non, on va pas se faire chier, écoutez. Viens ici. Très très mal. D'accord, d'accord. D'accord. Bon bah je vais pas faire plus longtemps, hein. Je vais faire la petite ellipse là. Le temps charme tous les minerais. Non, je vais juste vous dire ouais, que on pifferait peut-être après quand j'aurai l'armure. On verra peut-être en fin de vidéo. Juste pour le troll, comme ça on ira se venger. Non, c'est en fait. Sur cette planète, il y a bah, un château glitch qu'on vient de voir, et un peu plus loin, on l'avait déjà croisé une fois, c'est un petit lieu, c'est pareil, c'est une toute petite forteresse glitch où il y a juste un roi tout seul dedans, enfin voilà, juste le roi qui est tout seul à l'intérieur, puis c'est grâce à lui qu'on, je vous ai dit, on peut looter la couronne que j'ai, donc on peut arriver à looter aussi quoi. Ah oui, le bouclier spécial que j'ai déjà aussi, je crois, ça. Ouais, le royal, voilà, on a soit. Mais bon, le mieux c'est quand même de looter la couronne que j'ai déjà. Au pire, hein, si vous voulez plusieurs couronnes, bah voilà, vous savez où fermer les trucs. Hein. On y fera ça en fin d'épisode. Alors moi, je vais faire la petite ellipse. Pour vous, ça vous changera rien du tout. Mais bon, moi, ça va faire une ellipse de un jour, on va dire. Parce que je reprendrai demain le tournage. Parce que là, je vais pas avoir le temps de continuer. Mais bon, comme ça, au moins, je pourrais faire en off, là, tranquillement, le minage. Et moi, je vous dis, bah... A tout de suite pour, on va le dire, en quelque sorte la fin de l'épisode, hein. On ira se venger sur les mobs. Allez, à tout de suite. Et voilà, après la petite ellipse, enfin, moi ça fait une petite ellipse de
un jour. Ouais, c'est moi, je retourne le lendemain là. Pour vous, ça fait 2 secondes. Alors, vous avez pu voir que j'ai tout fermé, c'est bon, j'ai tous les lingots. Et donc, au passage, vu que je sais pas, j'étais pas sur cette planète, je suis allé sur l'autre planète déserte là qui était là. Et je suis allé dans le souterrain pour trouver plus rapidement du rubium. Et je suis tombé sur un biome souterrain mushroom, on va dire. Avec des blocs directement en champignons. Et j'ai trouvé... Ça on en trouve souvent aussi. Mais j'en ai pas pris beaucoup, je crois, au bois. De toute façon, il me semble que ça sert aussi pour la bouffe, si je me trompe pas. Je sais plus si... il me semble, ou à moins que c'est peut-être pas pour la bouffe. Ça se trouve c'est pour créer des objets avec. Je serais même plus vous le dire, de toute façon. Ouais, bon, ça on verra ça plus tard, de toute façon. C'est pas ça le souci. Attendez, je vais me mettre là-dedans pour l'instant. J'ai aussi trouvé des coffres assez sympas. Une belle épée assez stylée. Je vais la garder quand même, c'est la première fois que je trouve une épée aussi badass. En plus ça s'appelle badass. Des lances, bon, ça je trouve qu'on en avait déjà. Ouais, on en a 8. Encore un instrument de musique. Le saxophone et une casquette. Trop épique. Ils sont les habits là, voilà, encore un chapeau, je l'avais jamais trouvé. Lol, moins 50 en intelligence. Les bâtards, les enculés. Bon bah nous on s'en fout, de toute façon on va finir de créer les armures. Alors déjà on va faire l'armure level 9. Là c'est le rubium, la chamans, qui est assez stylé. Bah là quoi on ressemble avec. Tac. On fera... What? Je vais prendre ça. Attendez. Ah. Tac. Oh là là. Mais quand même. Et comme je dis, quand ça fait vraiment tribu, ça fait vraiment tribu. Hein. Voilà. Et... attendez, juste avant, je vais faire le upgrade, le rubium tech, si on pourra pas faire le prochain, ça sert à rien. Oh putain, oui, c'est le bordel. Bon, c'est pas grave, j'y mettrai après. J'ai mis les sites pour l'instant, j'ai eu la flemme de les planter, on va dire. Et maintenant, on a débloqué... Ah, maintenant, je crois qu'il y a même plus besoin en fait de faire du upgrade vu qu'on est déjà à niveau 10. C'est ça que, qui est bien. Maintenant il nous reste à faire... Ah non, je l'ai pas débloqué. Le débloque ce sera quand même. Voilà. On a unlock. Bam. C'est à dire si on va là. Et là. L'imperbium. Voilà, c'est le nom de ça. Je crois qu'elle est super badass. Très badass même. Alors ce qu'on va faire, ce qu'il nous reste, il me semble qu'il n'y a pas l'upgrade à son affaire. Non. Sinon on le verra ici, il n'y a pas besoin. Alors moi il me faut... Pourquoi beaucoup de super vieux. Bon, je vais en faire. 67, 10, 77, 5, 82. Pour l'instant je vais en faire 82. On verra pourquoi. Alors d'abord on va faire l'armure. Hein, parce que voilà quoi. Hop. Hop. Et hop, et après, non c'est pas là dans les armes, on va dans les armes ici, c'est tout en bas en fait le garde. Non, c'est ici, voilà, ah on a la lance, on s'en tape, ouais elles sont vraiment stylées, hein. En tout cas une main, le marteau, ouais, la hache. Alors, pas mal. Pff, 3300 de dégâts. Je lance. Ah, j'hésite à faire le marteau quand même. Hein. Ce marteau, j'ai déjà fait souvent. Voilà, il fait quand même du 4000. Hein, c'est pas rien. Je crois qu'on va faire le... on va faire un petit marteau. Hein. On va changer de l'âge. De toute façon, à chaque fois, j'ai fini, c'est par un marteau aussi. Hein. Hop, bon, ça tout du dégage. Et on va se faire poser ça. On va se mettre l'armure. Voilà.
dans l'armée en Imperium. Mon dieu. Enfin on l'a. Enfin. Il me reste combien? Il me reste pas mal de barres parce que je peux rater. Non, c'est là-dedans. Je vais faire le lit. Ah voilà. Un petit lit. Hop là. À la place de... du vieux lit de merde là. Ah bon, c'est pas grave, ça qui c'est ça, c'est pas grave. On va le remettre ici. Hop. Bom. Ça c'est du lit les gens. Ça c'est du lit. Ah putain, ça passe pas. Ah ça passera plus. Ni trop. Il est plus haut en hauteur. Ah bah c'est pas grave. Pas foutre ça ici. Flemme. Bon le lit en noir. Merci d'être passé. Tac. Et on va reposer les armures. Non, c'est là-dedans. Ouais, y'a un bordel. Alors, hop, le casque ici. Ça c'est la mur level 9. Non, 8. C'est 9. Et voilà, en fait on a toutes les armures. Ça c'est celle de base, celle qu'on met au perso. La première, la 2, la 3, la 4, 5, 6, 7, la 8, la 9 et la 10 sont nous. Parfait. C'est nickel. Je vais poser ça ici. Bah moi je vous dis que je vais aller me venger un peu moi. Je vais aller me venger. Ah puis aussi, vu que j'étais sur l'autre planète, j'ai réussi à... Il y a vraiment, il y avait un boss de zone, j'ai réussi à loot un petit couteau assez puissant on va dire. Comparé à l'ancien que j'avais qui faisait pas du tout mal presque. Ah salut. Allez on va se venger. Le château je vais le détruire en entier. Enfin pas détruire mais... Je me dépêche. Ils sont là, on a largement le temps. J'ai eu le temps de voir combien j'étais pas d'épisode. 34 minutes à peu près. Allez on y go. Puis j'avais trouvé aussi le roi, j'ai essayé de le faire quand même, mais il m'a tout shot on va dire. Même en régénérant, on a fait trop mal après. Vous allez voir comme on craint plus rien, même si on est sur une planète level 9, on craint pas des masses. Hein. Et eux, je leur fais très mal. Mourez. Mourez. Ils ont quand même assez mal on va dire, mais bon. Un comparé d'avant, c'est rien à voir. Hein. Bon, l'arbalète, je la mets ici, mais bon, je l'enlèverai après. Bon, je vais pas tout piller, je pillerai en off, de toute façon. Merci. Je suis là, j'aurai là. Oh, j'avais jamais vu comme ça. Stylé. Et où tu vas? Je suis là, moi. Merci. On va faire un petit très jeune, quand même. Hop. J'avais jamais vu comme ça, tiens. C'est assez sympa. C'est une sorte de prison. C'est assez nouveau pour moi, j'avais jamais vu un comme ça. Oh putain, y a déjà le roi. On se casse. Perdu. Hop, désolé pour la vue. Mais restez là. Oh, j'ai quand même assez mal. J'ai rien dit. Gentil. Gentil avec moi. Genre en plus maintenant j'ai tellement de vie que ça met 3 plombes à se régénérer. C'est impressionnant. Bah, attendez, on va passer par le haut tiens. En attendant. Voilà. Oh je m'en fous, je passe plein de sneak back, j'ai rien à foutre. Tant que je suis en vie. Voilà, il faut assez mal on va dire. Ce que j'aime pas c'est ceux qui ont des arbalètes. Toi tu meurs. Oui j'ai plus de pixels, je suis tellement mort de fou aussi. C'était assez violent ce que je me suis pris sur la planète de voilà, en farmant on va dire. Ah ce château est quand même immense hein, putain. C'est vrai qu'il est pas tout petit à comparer. Salut. Viens. Ouf, il a réussi à me toucher quand même. GG. Aïe, carrément. Ouais mais d'accord, mais c'est contre un mur carrément le machin. Normal. Je vais avoir
masse à trucs à fouiller quoi après. Hein. C'est bien ça. Ça fait plus château sorte d'hôtel on dirait. C'est un château hôtel. Ah. Ouais, les balcons, il n'y en a pas autant d'habitude. Wow. Ah, il m'a mis très cher. Ah, c'est pas parce que qu'on a la dernière armure qu'on peut prendre pas forcément cher. C'est surtout les mobs que ça se voit la différence, qui font moins mal on va dire. Mais bon. Alors petite ellipse le temps que je revienne. Et c'est bon, il est mort. Le mec. Vous voyez la petite cachette, je vais juste voir ce qu'il y a dedans. D'accord. Ah, c'était le troll. Bon, on continue. De toute façon je pourrais tout ça en hop, j'ai dit. Pas de soucis. On ira finir avec le roi unique là, qui est... Enfin, déjà faudrait qu'on aille finir en bas aussi. Dégage. Merci. Raté. Salaud. Il a plus de DPS. Merci. Non. Tue-toi pas. Merci. Mais il donne souvent du raisin. Mais non. Aïe. Avec les petites cloches, sympa. Ah ça fait le côté volcanique ici. C'est pas le son là ce qui était bugué, c'est normal, vous inquiétez pas. Ça le fait souvent que ce pouvoir, je sais pas pourquoi c'est le. C'est ce pouvoir qui. Ah, une autre épée légendaire. Ça, j'aime bien ça. Ah, celle-ci, je voulais absolument vous la montrer, ça tombe bien. On en connaît... Il y a celle que je vous ai pas montré, enfin, d'épée que j'aime bien. Enfin, il y avait celle qui envoyait, vous savez, les... Il y avait le marteau que j'avais trouvé deux fois. J'avais trouvé celle qui faisait de la des fumées rouges. Après, celle qu'on a trouvée tout à l'heure. Et maintenant, celle-ci. Ah, celle-ci, c'est qu'elle tire des bébelles. Et des bébés, mais en plus je me rappelle c'est que j'avais retrouvé le marteau, je me rappelle légendaire, dans un château glitch. Ça se trouve c'est assez fréquent de trouver, je pense, des épées légendaires, enfin je pense. C'est souvent... Oh, pire, tant mieux, hein, si vous cherchez des épées, vous fouillez les châteaux glitch. Hein. Je pense qu'il y aura moins de soucis à ce niveau-là. Ah, j'ai bien la radar après, vous inquiétez pas. Lol. Voilà, comme ça. Aïe. Meurs. Attendez, j'ai vu un mob. Pff, il s'est pensé de toute façon. Est-ce qu'il m'a loot un truc? Non. Moi aussi, il a dû me loot un bouclier. Bouclier rare. De toute façon, le bouclier, on s'en tape. On est déjà assez un badass, on va dire. Dégage. Crève. Bon, bah moi j'ai fouillé tout ça tranquillement. Et on va se retrouver pour la fin de l'épisode après. Bon, au pire j'irai plutôt le faire tout seul en fait, le roi unique. J'irai vite fait le faire en off aussi là. Et on se retrouve dans le vaisseau pour la fin de l'épisode. A tout de suite. Et alors voilà, j'ai fini de choper tout ce qu'il y avait dans le château et j'ai aussi battu le roi unique. Bon, résultat des courses, on a pas mal de trucs. Des lingots. Bon, j'ai récupéré les coffres aussi au passage. J'ai eu des nouveaux ceci, je crois que je l'avais pas. Ça tombe bien. Nouveau encore. Il y en a quelques-uns aussi qui là-dedans qui sont nouveaux, que j'ai pas planté. Et aussi j'ai trouvé. Ah oui, alors ça c'est la fameuse épée qui m'a looté. J'ai trouvé aussi un bouclier un peu spécial. C'est pas un truc rare, mais il est spécial, ça se voit direct. Un instrument de musique et encore un instrument de musique. Et j'ai aussi un
un petit pantalon. Je sais pas du tout de quelle armure ça provient. Je crois que c'est une des armures qu'il faut chercher complète, on va dire. C'est pour ça que je vais garder tranquillement. Et pas mal de steampack. Il y avait pas mal de livres aussi, beaucoup de livres à prendre, mais c'est toujours le même numéro, c'est souvent le livre 1 et 2 qui revenait souvent, alors pas très de nouveautés, on va dire, sinon de ce point de vue-là. Bon, bah voilà, ça va être la fin de cet épisode, l'épisode 14. De toute façon, la semaine prochaine, on se retrouve, c'est pas fini, hein, c'est pour ça, on se retrouve pour l'épisode 15. Ça sera l'épisode sur bah, la construction de la maison. Alors on se retrouvera... une planète level 10 on va dire. J'en ai quelques-unes en réserve, je sais pas sur laquelle je vais faire, j'irai voir en off laquelle est la plus jolie en quelque sorte pour créer sa maison, on va voir. Et on va se poser là-dessus, nous les démarteaux sur une level 10, aucun danger, aucun danger. Ça sera sûrement deux parties, on fera je sais pas une partie l'extérieur, ça va prendre pas mal de temps, je pense qu'il y aura pas mal de coups d'ellipse, de toute façon ça va être un peu la galère. Et la partie 2, ça sera l'épisode 16, ça sera plutôt mettre l'intérieur bah, en fait, ça sera ouais, surtout meubler la maison. Et puis après, je verrai ce qu'on fera, bon, on va faire quelques planètes, je vous montrerai pas mal de trucs, surtout des biomes, enfin il faut que je fasse aussi un truc spécial sur ça là, surtout cette console là, on a depuis le début sur dans le vaisseau. Il y a pas mal de trucs à faire dessus, je vous montrer un peu à quoi ça sert. Et il faudrait que je vous rate si avec un petit peu avec faire de la redstone, enfin des trucs de circuit, on verra. Là, je me renseigne, il y aura un petit épisode un peu spécial pour ça. Et sinon les autres épisodes, si je sais pas combien il y en a encore, là pour l'instant en fait j'essaye de tenir jusqu'à que de voir à peu près ou quand moi. Par rapport à ma série parallèle qui est Metro Last Light, là je me rapproche tout doucement de la fin on va dire. Alors, je pense que voilà quoi, il reste encore ouais bien, je dirais bien 4 épisodes encore de Starbound je pense, mais bon voilà, comme ça au moins vous êtes sûr il y aura largement du contenu encore pendant quelques semaines on va dire. Bon voilà, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis bah à la semaine prochaine pour la construction de la maison. Bye bye.